Can you tell us, when you read the story, what was it that resonated with you, that compelled you to make it into a film, please? Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire qui vous a forcé à faire ce film, donner l'envie? Alors, en fait, quand on fait un film, on se pose toujours la question de la nécessité d'une histoire. Pourquoi je raconte cette histoire et pas une autre, etc. C'est vraiment des questions qu'on se pose, parce que ces questions-là, quand le public rencontre le film, elles reviennent. Et quand j'ai lu le livre, le journal intime de Alain Marécaux qu'il avait écrit en prison, j'ai eu un tel choc que je ne me suis même pas posé cette question. L'urgence de faire ce film, elle était déjà contenue dans le livre. Et voilà, c'est comme ça. Donc ça a été un choc terrible, cette lecture. Et c'était un film nécessaire pour moi. Ça, je ne voyais pas comment ne pas faire ce film. Yes, it's a good question. It's a question we always ask ourselves when we're going to make a film. What's the necessity? Because it's a question that comes up once an audience sees the film. It's why did you make this film? But when he read the book, the diary of Alain Marécaux that he wrote when he was in prison, this question, it was a necessity to make this film. It's so important. And as a filmmaker, what responsibility did you have to stay to the truth and not leave things for artistic interpretation? Donc la responsabilité d'être vrai aux histoires, à l'histoire. D'accord. Et après, elle a dit autre chose, il me semble, non? Non. Sorry, and what was the end bit? To not just leave it to artistic interpretation. Et pour ajouter une vision artistique. Oui, non, le film, enfin la lecture du livre dictait déjà la manière dont on devait faire ce film. Et il y a quelque chose de, enfin quand on s'attaque à un film comme ça, on peut pas se permettre d'inventer, on peut pas se permettre de faire du cinéma. Je ne voulais pas faire du cinéma. Je voulais, enfin en tout cas, je sentais qu'on pouvait faire du cinéma en n'utilisant pas les artifices habituels du cinéma, la dramatisation, l'invention, trop jouer sur l'émotion. Il fallait raconter ce qui s'était passé, raconter ce qui s'était passé suffisait à être... Il y avait déjà toute la dramaturgie était là-dedans et il fallait surtout pas en rajouter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de musique. Enfin, c'est très factuel et c'est déjà très très émouvant comme ça. So in fact, the book itself gave the shape of the film, and there was no need to add a kind of additional things to it. You didn't need to add at all a sort of cinema to it. Its structure, no, it was already there in the book, and you had to respect the book as it was, and that's what he did.